Bonjour Agile Loungers, Agile lovers uh, all around the world. Uh, just a little disclaimer right now. This one's gonna be the, the, the take in French. So if you'd like the English takes of my Onward 2021 with the failure and the achievement, stay tuned for the next capsule on all network of Agile Lounge, which is YouTube, Instagram, and LinkedIn mostly. This is the three social network I concentrate the way I would like to share with you. adresser vraiment euh, à mes racines, hein, mes racines canadiennes à mes racines à, canadiennes-françaises, à mon réseau francophone d'agilité, d'agilité d'entreprise. Alors un peu euh, à, à la même lumière peut-être les gens vont critiquer, j'ai fait un setup merveilleux pour pouvoir être bien relax dans un chill vibe mood ici dans mon salon du condo à Cancun, dans une journée un peu pluvieuse qui ressemble à nos automnes montréalais, je vous dirais. Et puis, euh, en testant plusieurs nouveaux appareils. Donc, c'est expérimental, comme le veut Scrum. Hein? Je suis un Scrum coach. Et voilà, c'est ce que je disais. Il ne faut pas que je bouge trop parce que là, ma lumière s'en va Mais je voulais aussi également hein, la culture Lange. C'est quoi la culture Lange? Pourquoi je m'appelle Agel Lange? Parce que j'aime amener une petite musique en background. Euh, et puis, on a une lumière plus feutrée. On est dans un sofa de cuir blanc. Hein, on est à Cancun, qui pourrait appeler ce que mes vieux, mes vieux oncles appelaient le coup à Cabana. Donc, moi, ce que j'ai envie de faire ici aujourd'hui, c'est être complètement authentique avec tout de même un, un professionnalisme important. Donc, un éclairage et, et tout et tout. Si je fais ça comme ça avec la, le magnifique gizmo. Ah, on expérimente tout en étant professionnel. Je pense que c'est important. Surtout si on veut devenir l'influenceur d'agilité d'affaires, d'agilité d'entreprise, hein, de Business Agility and Digital Transformation. Alors 2020, hein, on va tous être d'accord. Euh, un peu à l'image de l'année passée, j'ai pas envie, moi je veux faire un, un, un on review, un on retro. Je veux plus me concentrer sur le On Word 2021, hein, là où on va tous aller ensemble. Euh, J'espère en tout cas qu'on qu'on va se tendre la main, qu'on va vouloir collaborer et co-créer ensemble. Euh, cette nouvelle économie, cette nouvelle façon de travailler, de voyager, hein, et dans un vivre ensemble, faire qu'on qu'on reprenne notre souveraineté. Moi, c'est ça que je souhaite pour 2021. Alors, au moment où j'enregistre ceci, on est dimanche le 27 décembre 2020. Euh, J'en fais un en français et un autre qui va suivre en anglais. Euh, ça va être diffusé euh, sans trop de flash -fla, sans trop d'édition, directement sur mes réseaux LinkedIn, Instagram et euh, YouTube, évidemment. Alors, si vous n'êtes pas abonné à mon canal Agile Lange sur YouTube, je vous invite à le faire tout de suite. Euh, donc, tous les liens pour LinkedIn seront dans la description de cette vidéo. Euh, et si vous êtes sur YouTube, eh bien, vous n'avez qu'à cliquer abonner et la cloche. Et puis si vous êtes sur Instagram, regardez là ou là, je ne sais pas exactement de quel côté ça va être. Donc, dans la bio, vous avez un Link Tree et vous allez dans ma chaîne YouTube, ma YouTube channel. Et puis, je vous invite là-bas parce que ça va être vraiment, vraiment ça 2021. Ça va être en images, en vidéo, le son, le podcast aussi. Alors voilà. Alors moi, je vais faire un on review. Et puis, c'est du leadership authentique. Euh, alors, je me présente vers vous, je suis très heureux de me présenter vers vous à ces quelques derniers jours de 2020 hein, que j'avais un peu prédit qu'il serait mouvementé. Cela l'a été. Et puis aujourd'hui, j'ai envie de vous parler que, que malgré la perte ou la suspension de plusieurs contrats que j'avais gagnés euh, aux États Unis et au Canada, euh, malgré cette suspension-là, hein, c'est rien de perdu, ça va peut-être revenir, je ne sais pas. Il euh, y en a qui ont carrément euh, disparu comme clients, qui ne sont plus là. Euh, donc, euh, c'est un genre de fun. Là, je vous fais un F U Y. F -U -Y for euh, fuck it up year, euh, parce que je pense que le hashtag qu'on pourrait prendre pour 2020, c'est ça, c'est F U fuck it up year. Et puis 2021, ça va être le hashtag What if year, hein, le W I Y W I Y euh, What if year, parce que. Vous avez beau faire les plans que vous voulez, <coughs> ça va être des rencontres, des conférences, des entraînements en personne physique, ou vous allez vous ramasser euh, dans ce qu'on appelle euh, du virtuel encore. Moi, moi je prends le pari que 2021 va être encore du télétravail, de la téléconférence et du téléapprentissage. Euh, mettez ça dans vos pipes. Est-ce que Lisbonne avec Scrum Alliance, euh, novembre 2021, va arriver? J'aimerais bien ça parce que j'ai des rendez-vous, des rendez-vous manqués à New York et le Lisbonne qu'on devait avoir cet automne. Je suis un peu triste de voir que l'organisation nord-américaine euh, ne reprendra pas le New York, mais il faut dire que New York, pire qu'au Québec, hein, je ne sais pas si vous le savez, et dans tous ces États. Donc, euh, ça reste à suivre. Mais en tout cas, moi, je vais vous dire. Euh, des failures que j'ai eues parce que, bon, vous me voyez souvent, un peu partout. On pose des choses, on veut être picture perfect, vidéo perfect, podcast perfect. Puis là, on s'imagine que Alexandre Frédéric, il va super bien, qu'Alexandre Frédéric, il est millionnaire. Hein, il est à Cancun. Il avait un condo pendant deux mois sur le bord de la mer. Il a passé deux semaines aussi sur l'île d'Aruba. J'ai tué parce que je vais pas me mélanger avec le docteur qu'on a. C'est Aruba, hein? Ouais, OK. Fait écoutez, ça prend pas des millions pour faire ça. Euh, Puis, quand je pars des services professionnels à l'intérieur de mon de compagnie, ça ne prend pas des millions non plus. Il faut que vous cassiez cette idée-là que ça prend tout le temps des investisseurs. Oui, je suis sur des advisory boards de compagnies et de projets, d'applications technologiques et tout ça, qu'évidemment, on doit développer des choses. Mais quand tu fais des services professionnels, ce que ça prend, c'est ton jeu de cerveau. Tu t'assois sur une table avec un un mur blanc ou une, une table blanche. Et là, tu dessines ce que tu veux offrir, hein, tu crées ta vision, tu mets tes objectifs, hein, tu commences par ton « why ».« Why I'm going to do the agile travel? »« Pourquoi je ferais ça? » Puis là, après ça, tu, tu dis « qu'est-ce que tu veux faire? » Donc, il y avait les euh, « coacher et aider des gens à devenir des digital nomades ». Il y avait aussi « simplement aider à être au service des autres hein, », les « condo surfers » qui veulent voyager autrement, qui veulent avoir de l'information juste et objective pour venir voyager moi principalement au Mexique parce que j'ai un grand réseau d'affaires et personnel au Mexique, hein, un accès encore une fois à plus de 300 portes dans toute la péninsule. Quand je dis toute la péninsule, ça inclut ce que les gens appellent la Riviera Maya, donc de Cancun à Tulum. Euh, j'ai en plus Bacala Si vous voulez être à l'intérieur des terres, dans des belles villes coloniales comme Valladolid et Mérida, on est là. El Cuyo sur les côtes du Golfe, dans le Yucatan, on est là. Progresso, la magnifique ville de Progreso avec son Malicone qui est ouvert. Donc, j'ai accès à tout ça si vous voulez juste faire du leisure de une, deux, trois semaines. On peut faire ça. Donc, ça, ça devient les, les quoi, les comment, et puis comment on fait ça. Donc, ça, ça ne requiert pas un investissement énorme. Même chose pour les formations qu'on fait, nous, depuis quatre ans, les workshops, les coachings et tout ça. Donc, c'est donc, pas. Euh, L'entrepreneuriat, c'est d'avoir des idées, de les mettre en action. OK? C'est vraiment ça. Quand tu fais du service professionnel, quand tu es dans le service, quand tu es dans la consultation, ça ne requiert pas énormément d'investissement. Là, évidemment, on a de l'investissement qui se fait pour avoir des outils payants de Zoom, de Teams avec Microsoft. Euh, évidemment, on va créer des Canvas, on va bon, là, ça requiert, puis ça peut requérir également des, des budgets marketing. Mais quand vous pensez à nos, à nos amis entrepreneurs qui, eux, veulent bâtir une application hein, qui va devenir un disrupteur du recrutement, qui veulent bâtir un, un site web. Transactionnel. Là, évidemment, c'est d'autres choses. Ça regarde l'investissement. Puis, ils ont une location? Mais tout ça, c'est un ancien mindset, hein? C'est le avant 2020. Et puis, en 2021, on va aller ailleurs. Mais, je vais quand même partager avec vous, authentiquement, que cette année, j'ai fini 2019 en gagnant plein de services professionnels à New York, Phoenix et Austin. Et je consolidais également, euh, euh, des services en domaine de coaching agile d'entreprise et d'équipe euh, pour une quinzaine de clients. Alors, quand je suis revenu du Mexique, la première fois où je voulais aller faire mon Agile Travel, mais qui n'était pas dans le même contexte que je l'ai parti il y a environ un mois, euh, ben, écoutez, j'ai perdu 10 000 dollars dans l'autre Agile Travel, 10 000 US en passant, dans l'autre Agile Travel de février dernier. Donc, je suis revenu à Montréal le 5 mars. Euh, avec, en pensant que c'est un investissement, évidemment, il a été mangé pendant la crise. Puis c'est correct, c'est pas du vol, vous pouvez bien penser ce que vous voulez. Je pense que mes collaborateurs au Mexique euh, avaient le droit de se servir dans cette cagnotte-là. Bon, mais après ça, quand tu fais une analyse de risque, est-ce que c'est vraiment une failure? J'ai perdu 10 000. C'est un 10 000 gratuit que j'ai perdu là. Bon. Après ça, euh, évidemment, au début, euh, euh, je n'ai pas tout de suite embarqué dans l'offre. Euh, de service numérique. J'ai fait un peu comme mon église de Scrum Alliance, où on s'est dit, Ah non, on va suspendre, puis quand on pourra, parce qu'on pensait tous, hein, dites-moi pas le contraire, on pensait tous que c'était juste deux semaines, un mois, puis qu'au début d'avril, ça repartait. Fait que là, on a tout fait un premier repas hein, au début d'avril, puis se rendre compte qu'en avril, il n'y a rien qui rouvrait, les aéroports étaient toujours fermés et puis que là, il fallait commencer à faire des zooms. Mais moi, j'étais quand même, j'étais le premier, ceux qui se souviennent, j'ai fait les check-ins solidaires, qui ont été une réussite, mais je ne l'ai peut-être pas assez poussé dans les réseaux. Euh, puis c'est vrai que là, vous voyez, je fais ça en français, je fais exprès pour commencer en français, parce que c'est une leçon apprise. Ils ont dit « Ah, tu n'es pas assez proche de ton réseau québécois. » Puis en même temps, ceux qui me suivent beaucoup, puis ceux qui m'encouragent, qui sont multilingues, ben vous savez que... Quand j'ai fait des tests au cours de l'année, on publiait de quoi en français pis en anglais, puis l'anglais gagnait tout le temps. Bon. Là, vu que c'est le temps des fêtes, le monde a plus le temps puis tout ça. Puis évidemment, comme je vous ai dit aussi, j'ai été beaucoup bolé euh, récemment sur LinkedIn par le réseau montréalais et québécois d'agilité. Euh, par une gang de jaloux. Puis je vais suivre les conseils salue Martin, Hong, Bob, Ulrich et tout. Effectivement, on veut pas se concentrer là-dessus. Je ne veux pas me concentrer là-dessus. Fait que... Euh, on va, on va vraiment se concentrer sur amener de la valeur en continu, puis à nos clients. Mais qu'est-ce que j'ai fait de pas correct Des fois, je me le demande. Euh, je suis pas mal en point. Je me suis pivoté rapidement, mais peut-être pas aussi rapidement que j'aurais voulu. Puis avec les services que j'aurais voulu offrir. Puis j'ai vraiment envie d'apprendre. Une chose que je veux apprendre moi au niveau personnel comme consultant, euh, c'est cette espèce de Balance entre le développement d'affaires, le marketing, interactif ou non, puis tout ça. Fait que oui, j'écoute mes coachs, oui, j'écoute pas mes coachs. Le Twitter, ça a pris quasiment le, le printemps puis l'été que je lâche ça. Il y a fallu que j'arrive ici, au paradis de Cancun, sur le bord de la mer, pour dire lâche le fucking Twitter. Embarque pas dans d'autres choses que de parler de tes services professionnels, de parler de tes services numériques, de tes services de coaching. Fait que ça, c'est vraiment une failure. Je me suis trop mis le bras dans le tordeur à faire de la sociopolitique sur Twitter. Euh, et je sais que je n'aurais pas dû. Sam, je vais t'écouter à partir de maintenant. Mais comme tu le sais maintenant, on, LinkedIn pousse sur Twitter, puis Instagram pousse sur euh, Facebook. Et puis, à partir de maintenant, c'est ça qu'on va faire. Oui, on est présent. Oui, j'écoute mes avocats, mes branders, euh, mes, mes marketeurs. Mais j'ai vraiment le goût d'apprendre. S'il y a des gens out there qui ont envie de m'apprendre un peu dans le même concept que je fais des services gratuits ou échanger du coaching, euh, apprenez-moi, qu'est-ce que je pourrais faire? Puis moi, je ne vais pas engloutir des 3 000, 5 000 là. là, je suis dans une période où, tout le long de 2020, euh, j'ai fait à peine 15 de mon benchmark. Euh, à peine, euh, ben, je dis benchmark. C'est pas vraiment le benchmark. Mon mon DA est sûrement pourri cette année. Je sais pour des choses, je vais regarder confidentiel que, que ma comptable m'a arrangé. Mais là, ce que j'ai envie de travailler, c'est est-ce que je pivote encore plus euh, Est-ce qu'on laisse tomber le coaching d'agilité Est-ce qu'on s'en va dans le next level Agile Fait que, euh, tu sais, je me suis senti pas autant agile que j'aurais voulu parce que oui, j'ai fait autre chose. Oui, j'ai fait de l'argent avec autre chose. Mais j'ai-tu concentré à la bonne place. Puis avec les bonnes personnes surtout. Puis est-ce que je tape dans les bonnes façons de faire pour faire comme j'ai dit tantôt, la balance entre le développement d'affaires, le marketing interactif et tout ça? Parce qu'on a un certain succès, mais j'ai peut-être pas le succès que j'aimerais avoir. c'est sûr que je veux éviter de tomber dans les, les offres qu'on nous fait hein, de, de, de branding, tout ça. Parce que j'ai l'impression que ceux qui, qui nous cognent à notre porte... Puis qui nous offre des services sur Instagram et LinkedIn particulièrement. Hein, François Bernier, je te salue si tu passes par ici. Euh, je n'ai pas l'impression que vous avez de l'attention et de l'intention. Vous n'avez pas l'impression que vous lisez vraiment, que vous faites vraiment une recherche sur qui on est à Gilles Lange Depuis quatre ans, puis on est quand même bien positionné. Maintenant, est-ce que j'ai assez de followers, est-ce que j'ai assez de leads? La réponse, c'est non. Puis je vais vouloir me concentrer là-dessus. Ça, ça c'est un peu un failure. Ça va pas si bien de ce côté-là. On a eu dans les 3-4 derniers mois, je ne sais pas si c'est l'effet euh, digital nomade, je ne sais pas si c'est l'effet d'agile travel, le fait d'être à Cancun, de, de présenter d'autres backgrounds qui sont plus appealing. Puis quand on regarde nos statistiques, euh, c'est très latin-américain, brésilien et la péninsule arabe, euh, du, monde, du monde arabe, le Moyen-Orient et, et plus. Donc, on n'attire pas vraiment des gens de Montréal. Donc, là, je vous le dis pourquoi je fais la majorité de mon contenu en anglais, hein, qui est la Pax Americana Lingua. Euh, et puis si je me forcerais un peu, je pourfinirai mon espagnol pour, pour m'adresser à tous ces nouveaux abonnés qui avaient commencé avant ma venue à Cancun, by the way, à, à grandir. J'ai l'impression que le mouvement agile en portugnole est très, très fort. Et on salue d'ailleurs Obrigado to the Brazilian people qui sont sur mes canaux et un peu partout. Mais cela dit, c'est un peu ça la réflexion. Fait que, écoutez, je ne vais pas prendre trop de votre temps, mais partagez avec moi. Euh, c'est quoi vos, vos bons, vos mauvais coûts en 2020? Puis quel genre d'action vous voulez prendre en 2021 pour corriger ça? Fait que nous, c'est sûr que je vais vraiment étudier la situation avec mon collègue Sam, Samuel, pour euh, faire une bonne balance business development, lead generation avec euh, ce qu'on appelle euh, le marketing direct euh, et taper. Est-ce qu'on va devoir investir de l'argent pour accroître le volume pour aller chercher des leads? Je ne sais pas. Mais il y a une chose qui est sûre. Nous, on veut le faire de façon organique, naturelle et authentique, comme je le fais maintenant. Je ne veux pas rentrer dans des petites leçons, là, des, 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 des scripts toutes faites, puis du simple Non, ça, il n'y en a pas question. Enfin, François, je te remercie toutes tes offres, mais si tu n'es pas capable de travailler « outside of the box », si tu veux me donner un « one size fit all », ça ne marchera pas avec nous, je vous le dis tout de suite. Alors, à bientôt, bonne fin d'année 2020, et puis euh, on espère que le « what if year hein, », le hashtag « va être profitable pour chacun d'entre nous. Au plaisir.